Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne Le secret de la bonne cuisine. Comme vous avez vu sur le titre, on va faire Red Snap Marine Green Sauce. Ça, c'est Red Snap. Ça, c'est le poisson snap rouge. On a besoin de céleri, poireau, green cayenne pepper, red pepper, poivron. C'est ça, je vous montre comme ça. Winnie Lakes, céleri. Pepper, green pepper, only green, ok? On ne fait que green. Ça, c'est de l'ail, oignon, half oignon, lemon, parsley, ginger, ok? Persil et du gingembre, et de l'ail et du citron qui est là-bas comme ça. On va utiliser que les. Ça, c'est fish seasonement. Ça, c'est l'assaisonnement du poisson. Arôme to taste. On a besoin de l'arôme. L'huile d'olive ou l'huile de tournesol, l'huile de any oil you want to use. Et Dijon mustard. On a besoin la moutarde de Dijon et white pepper ou black pepper if you want. Tu peux utiliser black ou ouais. And sea salt, pink salt. But you can use any salt you want. And little bit of fish seasonement. Et just half of it. Ça, c'est un peu de saisonnement du poisson. Voilà, ça c'est mes ingrédients, ça que je vous ai tout montré. Maintenant la recette là, c'est super. Donc si tu es sur ma chaîne pour la première fois, n'oublie pas de partager, aimer et like it and comment below, ok? So let's start blending the stuff. Donc je vais mettre tout ici, tous mes légumes que je vous ai présentés. I'm gonna have all my ingredients ici. Half of green pepper, chili green pepper, céleri, leeks, persil, parsley, garlic, ginger, everything here. Green cayenne pepper. I'm gonna add everything here for you guys and blend everything together. So that's a lot of green cayenne pepper. Yeah, we need spicy on this fish. On a besoin du piment dans ça. Donc on va mettre le piment vert aussi. Rien que du vert. Ok? Donc, si tu es sur ma chaîne là pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner si tu as aimé ma cuisine, si tu as aimé ce que je fais. Ok? Pour me suivre sur l'Instagram, le secret de la bonne cuisine, ma page Facebook, le secret de la bonne cuisine aussi. Je continue à faire la même chose until I'm done. Jusqu'à ce que je finis de mettre tout ici, ginger, every onion, half, just half onion. Je vais retirer les seeds. Comme vous pouvez constater, je retire les cils, tout et tout. Et on va blender ça, ok? Voilà, je mets tous mes ingrédients, persil, everything, comme je vous ai dit, Elia. Donc, on met tout ici, tu vas, on va blender. C'est beaucoup, mais je vais vous dire pourquoi c'est beaucoup. Et juste un tout peu oignon. Half oignon que j'ai besoin, pas beaucoup d'oignons. J'ai pas besoin beaucoup d'oignons. Et je vais découper mon citron. Je mets la moitié du citron ici. Je vais mettre la moitié du citron. La recette là, oh my dear, so yummy, yummy, so delicious, so amazing. Et ma moitié de fish seasonement, je vais mettre ça. The half of my fish seasonment et Dijon mustard. One spoon is fine. One and half spoon. Et une demi-cuillerée à soupe. À café, je veux dire. Excusez-moi. Un peu de l'arôme. I'm gonna add a little bit of arôme. And here, we are not gonna use water here. And my fish seasonment, je mets un peu de mon poisson saisonnement là-bas aussi. Parce que je dois boire tout ensemble. C'est un tout peu de sel. I need to mix everything here. Ok? Blend everything together here. And a little bit of salt to test. Un peu de sel pour avoir du goût de plus. Et du poivre blanc ou poivre noir si tu veux. You can use black or white. Black pepper, white pepper ou black pepper. Et je vais mettre l'huile. Je dois mettre tout l'huile là
parce qu'on ne va pas utiliser de l'eau. I'm going to add all that oil. We are not going to use water here to help me to blend. Pour m'aider à boire tous mes ingrédients. Ok, donc j'utilise l'huile, pas de l'eau. Ok, no water. You don't need water here. Alright, you don't need water. So I'm going to go quickly and come back after I finish. Everything's blend now smoothly. C'est bien blendé, donc je vais goûter. S'il y a tous les condiments dedans, je vais goûter pour vous, comme vous ne pouvez pas goûter. Oh, ça manque un tout peu de arôme, un peu de sel, donc je vais rajouter ceci. Ça manque un tout peu, pas trop. Et je vais mettre un tout peu de fish seasoning. Oh, so spicy, I'm telling you. Et je rajoute le reste de mon jus de citron. J'adore du citron, mais si tu veux pas, tu peux laisser. If you don't like lemon, you can skip on that. So I'm gonna add the rest of my oil now. Je peux mettre le reste de mon huile d'olive et mélanger très bien. Après, je vais mariner mon poisson avec ça. I'm gonna marinate my fish now. And leave it to rest. When you marinate, leave it at least half an hour to 1 hour, or you do the day before. So good. Tu marines ton poisson, tu laisses se reposer au moins 30 minutes, 1 heure ou de plus, ou à la veille même. Je rajoute un tout peu de sel aussi. Parce que je goûtais, mais le goût que je voulais, je ne voyais pas ça quoi. I tested, but the test I wanted didn't give me that. So I keep trying to put more salt. So that's why. Je vais goûter encore pour voir si le goût que je veux, c'est là-bas. Ah oui. Ah oui, c'est là-bas maintenant, c'est bon maintenant. Et voilà, je vais étaler ça sur mon poisson, dedans, partout sur mon poisson, ok? Tu mets partout sur ton poisson, dedans, partout, partout, partout. Il faut bien mariner ça, comme j'ai dit, tu laisses reposer au moins pendant 1 heure, 30, 1 heure, ou à la veille même tu fais, comme j'ai dit. Avant, you marinate this one so well and you leave it to rest at least 1 hour or the day before, alright? Voilà, j'ai presque fini de mariner. La marinade, c'est bon comme ça. Le reste là, je vais vous dire pourquoi je vais garder ça. Donc, je vais mettre ça au réfrigérateur. Et voilà, le reste là, je vous dirai pourquoi j'ai gardé ça. Donc, on va faire le reste de ma sauce, la sauce piment. C'est ça que je veux faire avec ça. C'est pour ça que j'ai gardé le reste pour faire le piment sauce. Donc, je vais mettre un peu d'huile, comme mon huile d'olive est fini. Donc, je vais raspberry seed oil. Je vais utiliser ça. Mon huile, c'est déjà fini, l'huile d'olive. Donc, je vais faire ma sauce piment ici. Ma sauce green sauce piment, c'était trop spicy, je vous dis, trop même. Oh, c'était très bien, j'ai vraiment adoré la recette. Donc je renverse le reste de ma sauce ici. C'est pour cela que j'ai fait trop de spicy, la sauce était trop, donc je dis, c'est pour cela que je vous ai dit que je vais garder le reste. C'était trop pour juste pour le poisson. Donc it was too much for the fish. I know it was too much, but I know why I make a lot, because I wanted to use the rest for my green sauce pepper. Hein? My green sauce pepper. Donc, je vais griller ici jusqu'à ce que je vois que c'est bien doré, là, bien cuit. I'm going to fry this one at least 10 to 15 minutes. But keep eye on it, alright? Don't go anywhere, alright? Just, you see? It's cooking. So I'm gonna add a little bit of my spicy again, black pepper and a little bit fish sauce, because I wanted this sauce to be so hot. Je voulais que ça soit vraiment piquant, la sauce là. Donc je vais mettre un tout peu de fish seasoning. J'avais mis déjà ça. Donc je vais remuer, continuer à remuer jusqu'à ce que je vois que ma sauce est prête, ok? Donc, quand ça sera prêt, je vais vous montrer, ok? À tout à l'heure, alright? Et voilà, j'ai décidé de mettre un peu de piri-piri sauce que vous avez vu, piment là. J'ai juste mis, parce que je veux que ça soit vraiment piquant, 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 piquant. Donc, j'ai juste rajouté un peu de piri-piri que vous avez vu là. Mais c'est très bon, piri-piri là. J'ai mis
parce que je voulais que ma sauce soit vraiment piquante. Ouais, péri-péri, piment. Mais c'est très bon aussi. Donc, je continue à remuer encore, laisser cuire au moins pendant 5 minutes et ça serait prêt. Ok? À tout à l'heure, je voulais vous montrer juste comme le piment là. Je vous reviens tout à l'heure. Ok? Et voilà, ma sauce est presque finie comme ça. Donc, je vais mettre ça à côté. On va faire d'autres choses. Ok? Je vais juste rajouter un petit peu d'huile. C'est bon maintenant, il n'y a rien à faire maintenant. Donc c'est déjà cuit comme ça. Regarde la sauce. Oh dieu, c'était trop bien. C'était trop bien. Donc la sauce c'est déjà prête comme ça. Je mets ça à côté. Alright. On va faire quelque chose d'autre. Je vais vous montrer ça aussi. Moi ça c'est déjà prête. Et voilà, ma sauce est prête maintenant. Regarde. Hein? C'est très bon ça, non? Ma sauce is already done now. I don't have nothing to do now, alright? So it's done, it's done, it's done. There's nothing to do, just to add a little bit of lemon juice, juste pour mettre un tout peu de how to call, jus de citron. Mais if you want, if you don't want, you can leave it. Si tu veux pas mettre du citron, tu peux laisser comme ça. Et voilà, c'est prêt maintenant. Ok, c'est prêt. Il y a rien à faire maintenant. Regarde, hein? Regarde ça. Et voilà, on va faire oignon sauce ici. Je vais mettre un tout peu d'huile aussi ici. Je mets l'huile, ça c'est oignon seulement, la sauce d'oignon caramélisée là que vous connaissez. We're going to do onions caramel, ok? Voilà, oignon et a little bit of cream, pepper. I'm gonna fry this one here and a little bit of parsley. Je vais mettre du persil, les piments verts, un tout peu de ça, poivre. Les oignons que j'ai découpés, c'est deux oignons, deux demi-oignons que j'ai écrasés. Donc, je laisse chauffer un tout peu mon huile. Après, je vais mettre mes oignons dedans. Et voilà, deux oignons seulement, un peu de green pepper là. Juste pour avoir la couleur. Et du persil frais que j'ai découpé. Parsley, oignon, garlic powder, a little bit of garlic powder. De l'ail en poudre, je mets un tout peu de ça aussi. Un tout peu de mustard aussi, Dijon mustard, 2 cuillerées à café, 3 cuillerées. 3 spoons of mustard, Dijon mustard. And I'm gonna add a little bit of black pepper too here and fry it for 10 minutes, 5 to 10 minutes. Je vais griller ça et un tout peu de cube magie bouillon. Comme vous avez vu, just a little bit of magic bouillon and a little bit of arôme too. I will tell you why I make this onion sauce. Je vais mettre mon black pepper maintenant. I'm gonna add my black pepper, poivre noir, je veux dire. Voilà, je crie comme ça. Je vais pas mettre de l'eau. I'm not gonna add water. Because onion will release its own water. Parce que les oignons, il y a de l'eau dedans déjà. Donc, je veux pas que mon oignon soit trop cuit, quoi. I don't want to overcook my onion. So, the water from the onion will release. So, I don't need to put any water here. Don't you, if you want no overcook, okay? So, lemon juice. Me, I love lemon juice. I love lemon juice. So I'm gonna have half of lemon juice here again. I love lemon. J'adore du citron. Ça me donne un goût là que j'aime. C'est trop bon. J'adore le goût là. Donc, je mets seulement demi lemon juice et je vais du citron vert ou citron jaune si tu veux. Donc, je mélange ça comme j'ai dit. 5 minutes de cuisson, 5 à 10 minutes, pas plus que ça. Ok? Tu cuis ça comme ça 5 à 10 minutes et voilà, c'est bon. Alright, faut pas trop cuire. Donc, on va cook your onion. Ok, donc on va cook just 5-10 minutes. It's done. Alright, medium heat. Ok, ce feu doux, pas trop pour ne pas que ça brûle. Ok, faut pas mettre le feu high. Medium heat is ok.
And look at, I had more black pepper, you can see, j'ai encore mis un peu de poivre. Et voilà, c'est presque fini comme ça. Comme j'ai dit, don't overcook your onion. Ok, j'ai pas mis de, je vais juste un petit peu mettre de l'eau. Juste un peu et je cuis pour 5 minutes pour avoir du jus de l'oignon quoi. Donc je vais cuire 2 minutes seulement et c'est bon maintenant. Même pas 5 minutes, 2 minutes. I just had a little bit of water to have a onion juice, ok? So I'm gonna cook just for 2 minutes, 2 to 3 minutes and it's done, alright? Don't overcook please if you want to enjoy your onion caramel. So it's nearly done now. I don't have a lot to do here. It's done, so I'm gonna check on my fish now. All right, that too is done. There's nothing to do now. This one too is done. All right, finish. On va voir. C'est bon. C'est oh, l'arôme c'était trop. It was so amazing. I'm telling you, so amazing. Got done. Nothing to do. It's time to put my fish in the oven. Il est l'heure de mettre mon poisson maintenant. J'ai utilisé la mise en bas pour me faciliter à nettoyer le papier, pour me faciliter à renverser. I use foil down so easy clean and on top of papier, paper, baking tray paper. So it's easy for me to turn my fish. Alright, I always use... So I'm gonna put this one in the oven for 15 minutes. I'm gonna put this one in the oven for 15 minutes and I will come back to you. Okay, after 15 minutes the other side is cooked. So you see it's so easy, no stick, nothing. Tu vois, ça va pas coller du tout ni rien. C'est facile à tourner ton poisson sans que ça découpe ni rien. Donc, je vais mettre le reste de ma sauce ici. I'm going to spread the rest of my sauce, my marinade sauce, and put back in the oven for 10 minutes again. All right? Just for 10 minutes. And it's done. All right? Je vais remettre au four pour 10 minutes et ça serait prêt. All right? Looks so lovely. Tu es sur ma chaîne là, tu n'es pas abonné. Abonne-toi. Oh, tu vas beaucoup manquer. If you're on my channel for the first time, so do not forget to subscribe. Thumbs up for me. Comment below, alright? And thank you so much all my subscribers, alright? Merci à tous mes abonnés, les nouvelles et les anciens. Merci beaucoup à vous tous, alright? Les nouvelles, bienvenue sur ma chaîne. Et voilà, après 15-10 minutes, et voilà. Voilà, it's ready after 10 minutes. It's done. There's nothing to do. I'm gonna serve it now and enjoy my fish. Look at. So I'm gonna place here in my plate. Donc je vais mettre dans mon assiette ici. Voilà, je mets dans l'assiette ici. J'avais fait un peu de akeke, couscous, akeke. I made a little bit of cassava couscous. People who don't know the name in French, akeke. All right. From Ivory Coast. J'avais fait un peu de ça aussi. J'ai déjà fait une vidéo pour ça. Donc, les nouvelles abonnés, allez-y sur ma chaîne. Les vidéos sont là-bas. Comment je fais mon yakeke. Oh, my mouth is watery. Honestly. Ma bouche. Oh. Et j'avais grillé un peu de aloco. I fry a little bit planté as well. Off camera. I know everyone can fry planté. So... I didn't bother to show you guys. J'ai pas dit, j'ai dit, je vais pas vous fatiguer pour vous montrer ça, pour ne pas que la vidéo soit longue. Tout le monde peut griller à loco quand même. Ou bien, hein? Même les hommes, tu peux griller à loco. Tu mets l'huile, ça chauffe et tu mets à loco. Donc, c'est très facile à faire ça. Ce qui est difficile, c'est ça que je vous montre. The one so hard to do it, so I show you guys. That's my onion, Elia. Onion, fry onion. So I'm gonna spread that one on my chicken and a little bit on my fish. My wife is so mouth watery food, huh? So mouth watery, honestly. Oh dear. So lovely. Yummy. So like I said, honestly, my mouth is watery now. That's my chili sauce.
That's my green chili sauce. So I'm gonna put that on the side. And that's it. There's nothing to do now. Just enjoy it. Enjoy it. I really enjoy this food. Definitely, I'm gonna make this one again. Again, I'm gonna make it. It was so yummy. My family love it. So try it and let me know in the comment below. Alright. So that's it. That's all in my chicken today. À très bientôt pour une autre vidéo. Bisous à tout le monde. Bye.